Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gravity pour un nouvel épisode de Battlefield 3. Aujourd'hui on va laisser nos petits copains aller rusher comme des grands malades et on va aller juste derrière eux pour un petit pic de damavant au M40A5 sans viseur, sans rien, enfin voilà. Il ne s'agit pas d'un défi, hein, c'est juste... C'est juste histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Histoire de rigoler quoi. Bah allez voilà. Donc on espère que la partie ne va pas se finir en gros fail. Mais voilà. J'en sais rien. Vous non plus. Nous verrons bien. Alors. Oh là là, oh. Allez, les enfants là. On se calme. Hein. J'aurais juste à faire de la suppression pour l'instant. J'ai réussi à marquer l'hélico. Voilà, pleine tête, 125, sans viseur, boum. Ok, allez, on rush comme un grand malade. Derrière eux. Derrière nous. Alors peut-être qu'on va se faire réanimer, hein, on sait jamais. J'y crois assez moyennement. C'est quoi cette blague? Donc je réapparais sur Act of Justice. Et maintenant que je suis réapparu sur lui, je descends rapidement. Voilà, un petit moins un. Le point devrait pas tarder à sauter. Ah. Le point a pété, c'est bon. Alors on va se cacher un peu là, parce que... Ils m'ont l'air un peu... délos. Où qu'il est, où qu'il est. Bon, je suis un peu mort, certes. Voilà, donc il s'est fait tuer. J'espère me faire animer vu le nombre de médics. Enfin, ça paraîtrait... Voilà. Pas trop mal. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir rush en première ligne. Quoi de plus beau? Je vous le demande. Donc l'hélico juste derrière nous. Dans votre zone trop de dégâts. Hein. Ils ont réussi à en avoir pas mal. Hein. Faites attention, j'ai repéré un soldat ennemi. Terminé. Soyez prudent, j'ai repéré un soldat ennemi dans le secteur. Okay. Terminé. Plus de soins, c'est parfait.
pote Bobo. Un soldat ennemi a été repéré dans votre secteur. Terminé. Bon, ça. Moins 2. Voilà, donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal, hein, mine de rien, sans viseur. Charge vite fait. Attention, la charge est prête. Terminé. Mais 75 d'assist. Bon. Un petit 8-1, hein, ce qui est pas négligeable. Et Attention, il est caché où? Par mourir. Peut-être qu'encore une fois je vais me faire réanimer, on sait jamais. Donc un petit 11-1, ce qui n'est pas dégueulasse, hein, en rush en étant attaquant. Vous en conviendrez encore une fois. Act of Justice, je crois qu'il est resté très très loin lui. Et il a dû se perdre. Du coup je vais être entre guillemets contraint de changer de squad. Ouais, je vais descendre de là. Sur la gauche, il y a du monde. La petite grenade qui les empêche de désarmer. Ouf. Alors je me suis fait tuer au Z11. Alors me demandez pas comment ni pourquoi, alors que vous aussi, vous avez pu voir une grosse explosion juste avant. Aucune idée. Le point B a pété. Donc, je vais attendre un petit peu. Ouais, non, je vais réapparaître. J'ai repéré un hélico ennemi. Terminé. Faites attention, j'ai repéré un sniper ennemi. Terminé. Restez sur vos gardes, voilà. Sniper ennemi en vue, terminé. Ok, en avant. On va pouvoir aller sur le Z11. Le nôtre cette fois. Hein. Et hop là. Ouh, canard, hein. Voilà, on est descendu très rapidement. Attention, la charge est amorcée. Terminé. J'ai repéré un mitrailleur ennemi dans votre secteur. Terminé. Attention, notre charge est désamorcée. Terminé. Voilà. Pour l'instant, on s'en tire à 16-3. Voilà, c'est un score que j'ai pas l'habitude de faire avec un sniper en général, surtout en essayant de la jouer plus ou moins agressif. Attention, on a perdu la charge. Terminé.
l'ai touché, je crois. Je suis sûr. Il était à combien? 5%. Bon, j'ai un peu le seum, je dois avouer. Mais bon. Entre guillemets, c'est le jeu. J'ai joué... J'ai perdu. Je pense que le point va encore une fois péter. Voilà. On me la fait pas, moi. Non, mais oh. Restez sur vos gardes, vous êtes ici dans votre secteur. Terminé. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a pris? Hop, on en profite pour avancer, hein, parce qu'on nous a dit d'avancer de toute façon. Alors, je passe bien par au-dessus. Je vois rien derrière nous. Un peu. Donc là c'est les deux derniers points à faire sauter. Point B, ça semble pas trop trop mal. Et le point devrait pas tarder. Ouh là 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 là, le SVD, c'est pas bien, c'est pas beau. Ah, surtout quand moi je fais l'effort de jouer au M40A5. Faire un petit 21-4. Merci pour la réanimation. C'est gentil les copains. Je viens de voir un sniper ennemi. Moins un. Soyez prudent, je viens de voir un sniper ennemi. Terminé. Ok, sur la gauche, les deux gauches. Gauche et gauche. Enfin, vous aurez compris que c'était la gauche. Il y a plus d'objectifs que ça. La preuve que je suis pas allé très très loin. Je suis pas allé très très loin dans ce... En ruée. Allez, passage à gauche en force. Super la fumée. Enfin la fumée du temps en tout cas. Waouh waouh waouh. Allez, je rush. On s'arrête pas. Je peux réparer votre véhicule ?
Mais non, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave. Alors, où je l'y raise? Où je l'aime? Le tank qui va me tuer. Qui m'a pas tué. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a pas rechargé très très vite. Hein. Qu'est-ce qu'il a foutu avec son C4? Donc. On va très gentiment passer par là. Ah bah cette Volt T90, pleine face, hein. Je l'ai pas vu mais j'ai bien mangé je pense. L'obus en pleine tête à mon avis. Ou en plein dans le corps, enfin un obus, tête ou corps, peu importe. Voilà. L'objectif a été neutralisé, terminé. Et voilà. C'est fini les garçons, les enfants. Alors pas de musique de fin, hein. Mais, parce que je sais pas pourquoi, ça bug. Mais un petit 25-5 qui a le mérite d'être relativement sympathique avec un M40A5 qui, je vous le rappelle, n'avait pas de viseur, hein, juste la mire. Et donc, bah, c'était sympa, hein, une petite partie qu'on a remportée en plus. Donc, pourquoi se plaindre? Je vous le demande. Hop. Alors, un petit peu difficile au début, on en conviendra, mais partie sympathique. Partie sympathique et bon l'équipe d'en face ils ont géré comme ils ont pu je dirais. 124 mètres sans viseur. Pff. Faut que je me mette à M16 moi. Apprendre à vraiment jouer avec. Donc ratio de 5. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.